Salut à tous, ah, re-bienvenue dans le stream, le random stream de la semaine, Zelda Breath of the Wild bien entendu. Alors la dernière fois c'était assez marrant parce que mon boîtier d'acquisition faisait des siennes et j'ai essayé de débrancher, rebrancher tout ça, ça m'a saoulé. Et on était dans ce temple et on a mouru à cause de la vidéo qui s'est coupée. Donc c'était nul. Alors que là on recommence une partie tranquille. On va essayer de mettre la plateforme de manière stable, voilà. En espérant que l'image ne se barre pas pendant que je joue. Ça serait plutôt bien. C'était quoi ce sanctuaire? Il est où ce sanctuaire? Pourquoi je suis là-dedans? Pourquoi suis-je dans ce sanctuaire? Parce que j'aime les symboles du triomphe. Oui, alors faut que je... Comment on fait? Le truc qui tourne dans ce sens-là. Je sais plus comment on fait pour avoir le coffre. Mais ça serait bien que je l'aie. Allez, tentons le coup. Oui! Et je meurs. Je me souviens plus comment on fait. Ah. Je me souviens plus. Ah, elle me met au bord. Si j'ai encore envie de me suicider, je peux. Ah! Quoi? Le truc, il est là? Attends, un truc me chiffonne. Il fait faire des demi-tours? Ou il va revenir, il fait le tour complet? Non, c'est un demi-tour, il est en dessous. Ok. D'accord. Donc, en théorie, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah! Non, bah non, je peux pas. Ah, c'est nul. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. C'était le pif total. Comment j'ai fait pour survivre? Bah aussi. Oh, tout ça pour ça, oh. Lance d'écaille. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la lance d'écaille, pour qu'elle soit mieux que celle-là? Rien du tout, en fait. C'est nul. C'est nul. On se barre. Là, je crois qu'il y a des sbires. Non, c'est encore des trucs à bouger au gyroscope. Eh bah, bougeons. Bougeons notre corps. Oui, ça c'est chiant, ça, je m'en souviens. Oh là là. On va tout mettre là-haut. Et ensuite, on fait 12 semaines. Non, pas deux fois dans le même. Un peu comme ça, quoi. Ça, c'est mieux. Oh là là, quel talent. J'ai eu le coffre. J'ai eu la fin du... C'est un sanctuaire simple. Même si je ne sais plus du tout où il est situé sur la map. Mais remarque, j'aurais pu appuyer. J'aurais pu ouvrir ma tablette chez K. Et voir où c'était. Allez, passez, passez, passez. C'est le deuxième, ok. Passez, passez. Pourquoi j'ai des cœurs jaunes? Je me suis déjà pris un taquet? Ouais, je pense, ouais. J'ai dû me... Il y a un ennemi un peu velu qui a dû se dire « Ouais, toi t'es une proie facile, vas-y. » Ah bah non. Parce que j'ai la prière de Mipha. Ah ouais. J'ai aucun souvenir de où j'étais, c'est fou quand même. Aucun souvenir. Ah si, ça y est. Domaine Zora, c'était le truc de la cérémonie. Non, bah non, je l'ai déjà fait. Où suis-je? C'est pas loin d'Akala. Ok. Oui, ça y est, je raccroche les wagons. Akala, le relais et la grande fée. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour, enfin bonsoir. C'est moi, Nip, le cordon bleu voyageur. Mais attention, je m'occupe que des bons petits plats, pas de médecine.
Pour mijoter des remèdes, il faut cuisiner des insectes. C'est pas demain la veille que je goûterai ce genre de pitance. Les insectes, c'est vraiment dégoûtant. Puisque tu es là, jette un coup d'œil à ma marchandise. Je ne vends que des ingrédients de première fraîcheur. Tu peux examiner mes articles aussi longtemps que tu veux. Tu ne trouveras nulle part ailleurs meilleure qualité. Oui. Ouais, sauf que c'est assez commun, ça. Tu oses vendre ça. Et il chantonne en plus. En plus, nous, on peut cuisiner, là. Ce qu'on va faire, elle a une quête. T'as l'air louche. Tu veux quoi? Je suis pas louche. On verra. Je suis en train de réfléchir. Tu veux bien me laisser tranquille? Elle a peur comme elle. Oui, sa petite sœur, normalement, elle est à côté de l'arbre. Bon, là, c'est la nuit, elle dort. Et elles ont une quête avec des insectes. Voilà, cuisinons des trucs pour nous ramener de la vie. Ça va être nécessaire. Le poulet végétal max. Des bananes. Je me souviens que contre le boss de la créature divine de l'eau, ça m'a été très pratique d'avoir plein d'attaques pour lui refaire la nue. Ça aussi, c'est bien le Durian Max. C'est l'équivalent du Radis Max en fruits, donc plus efficace. Voilà, avec un seul fruit, on fait plus 4 cœurs jaunes. Rien à voir avec les radis. Les trucs que je dois faire... Ça, il faut que je les garde à tout prix, parce que ça me fait évoluer des pièces d'équipement. Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs? Normalement, il y a des trucs cool. Mais j'ai rien, en fait. Mais j'ai que dalle. J'ai des insectes, mais on s'en tape. Les remèdes... voilà, hein. En fait, je manque de champi armo, je crois. Ouais, j'ai pas beaucoup. Parce qu'il faudra renforcer défense. Il me faudra des champis vigueur, j'en ai pas du tout. Par contre, j'ai des carottes vigueur. Ça me servira à rien, hein. On s'en tape, hein. Bah ouais. On s'en tamponne. T'as pas une quête, toi? Bon, essaie de parler à tout le monde pour avoir des quêtes. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. Arrêtez, monsieur cuisine, j'aime pas les insectes. Toi, on s'en tape. Bon, bah, y a plus rien à faire ici. Si, on va attendre la journée pour avoir notre quête. On n'a pas besoin de partir en pleine nuit et donc de couper la quête des insectes. Qui va être dur à faire parce que je crois que j'ai pas du tout les papillons qu'il faut. Elle demande des papillons, des trucs comme ça. T'es où? Bah, normalement elle est là, la petite. Ah voilà. Là 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 là. Eh oh monsieur! Quoi de neuf? Tu sais quoi? J'ai un secret! Tu veux savoir ce que c'est? Bah dis-moi. Alors je vais te le dire. Putain, mais c'est Sarkozy en fille. Ma grande sœur Jujune, elle adore les fleurs armo. Oh, c'était ça mon secret. Oh, Jujune va de nouveau m'en vouloir. Quoi? Je comprends rien. Du coup, elle a la quête ou pas? Jujune. Non. Oh, c'est toi. Je suis en train de réfléchir. Tu veux bien me laisser tranquille? Mais ils sont insupportables dans la famille. Donc, la quête, je peux me l'arranger? Oui, apparemment. Ok, bon, doit y avoir un autre trigger. Doit y avoir un trigger pour cette quête, c'est pas possible. La pente est pas assez... Bonjour, madame. Oh, tu as besoin de quelque chose? Je ne suis qu'une voyageuse. Une simple voyageuse passionnée de monstres et célibataire. Mais pas pour longtemps, j'espère. Les Stalinox sont gros et effrayants. Et quand ils nous jettent leurs os, brrr, c'est un spectacle de toute beauté. Oh, je rêve de passer des heures au clair de lune avec un garçon qui me parlerait de ces merveilleux Stalinox. Il y en a qui ont des plaisirs étranges. Tu peux pas faire parapente, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là-bas, cette forêt, c'est cool, mais c'est y a des gardiens. Je l'ai dit, les gardiens, j'en fais mon affaire. Hein. Normalement, je... Remarque, c'est des gardiens en mode challenge. Je pense qu'ils sont un peu balèzes quand même. On va faire le tour par là. Oula. Mais il n'y avait pas une côte, normalement? Si, si. Là, il y a des choses. Oui. Du minerai. Précieux, en plus.
C'est les boucliers, merci. Mon marteau. Voilà, beau saphir brut. Ambre brut aussi à conserver précieusement. À part vendre comme un sac. Parce que une fée en demande, je crois. Donc très important. De toute façon, je crois que toutes les pierres servent pour la... pour l'amélioration des équipements, donc autant les garder, quoi. Et j'effraie tous les papillons, bravo. Non! Non, mon marteau! Bon, ok. On va casser ça avec autre chose. Je n'ai rien de plus. Génial. Les bombes, alors, les bombes, hein, allons-y. Hein. J'aime pas les bombes parce que ça fait éclater tout dans le décor. Mais bon, si on est obligé, on est obligé. Hein. Voilà, moi ce que je veux, c'est la grande fée. Histoire d'améliorer mon stuff. Qu'est-ce qui... Qu'est... Il s'endort. Bah, vas-y, dors, pas de problème. Voilà, comme ça, moi, j'ai de la viande gratuitement. C'est simple. Pourquoi on se casse la tête à essayer de trouver des marchands, à essayer... à essayer d'avoir des ennemis compliqués, alors que les renards, en fait, ils sont peureux et ils pioncent en plein milieu du chemin. Donc... voilà. Et en plus, ce sont des cibles faciles. Oui, c'est vrai, gisement précieux ici également. Alors là, par contre, ça va pas me plaire parce que forcément... Ah, oh, c'est du silex. Ah, ça, c'est bon à prendre quand même. Hein. Arrête de rouler. C'est bon à prendre quand même parce que ça peut servir. Beaucoup de minerais dans les parages. Qu'est-ce qu'elle fait cette bombe, elle est con. Mais en fait, je peux rien faire tenir comme bombe ici, moi, c'est mort. Allez. Ça valait le coup, hein. Un quart de cœur, ça valait le coup. Car. Cristal de sel, mais je m'en fous. Par contre, ça, c'est mieux. Opale, très bien. Très très bien. Où suis-je? Je crois qu'il faut que je monte encore un peu pour le pour la fée. Oh non! Me dis pas qu'il faut que je monte. Non mais j'ai pas la carte, qu'est-ce que je fais? Il aurait fallu que je grimpe la tour d'Akala, mais... ah non, je suis au bon endroit en fait. Je suis au très bon endroit. Faut juste que je continue tout droit. Ah non, pas dans la flotte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y est... Ah bon? Ok. Oh non, encore eux là. Oh. Voilà. Un de moins. Alors. Toi. Oh, un peu plus haut. Oh, ok, c'est pas grave. Oh le bâtard! En plus il pleut! J'ai réussi à la voir en fait. Voilà. Ah, mais c'est un coffre comme ça. Oh, c'est nul. Oh, je croyais que c'était un coffre en métal. Merde, j'ai pas réussi à l'avoir. Oh, un Lysalphos. Et si vous arrêtez... Oui, jette-toi dans l'eau. Non, mais il se noie pas, c'est un Lysalphos, je suis con. Qu'est-ce qu'il fait? Viens. Voilà. C'est un ennemi d'eau. De l'électricité. Toi, t'es en métal, je te prends. Parfait. Ouh, ça fait plaisir. Oh oui. Je venais de péter mon marteau, en plus. Brise rock. Fantastique. 42. Distance lancée augmentée. Ça, c'est l'arme des vrais, quoi.
c'était des... Ah, c'était des corbeaux. C'est vrai que ça y ressemblait. Bon, où suis-je, là? Parce que moi, je veux voir la fée. Sanctuaire. Ah, bah, on n'est pas loin. Mais non, mais attends. Je comprends pas. Oui, on n'est pas loin. Est-ce qu'il y a un sanctuaire, normalement, à côté de la grande fée? Oui, du radis, du radis. Un gros radis, Max. Génial. Il n'y a qu'un endroit où on aime le radis, c'est dans Zelda Breath of the Wild. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Pour moi, c'était plus simple de trouver cette fée que de finir le jeu. Pourquoi je galère autant? Quoi? Mais je l'ai headshot normalement. Voilà. C'est mieux. Bon, il avait la tête tournée, c'était dur de viser, voilà. Est-ce un coffre? Oui, c'est un coffre en métal. Pas assez près, visiblement. Mais c'est génial, je vais de surprise en surprise. Ah, il n'y a plus de place. C'est les armes que je voulais depuis le début. Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qui est nul? Ah, c'est vrai que ça va bientôt péter, ça. Ah, c'est con. Allez, la lance de cérémonie, elle sert à rien. On va perforer nos ennemis. Bon, maintenant je veux cette fée. Ici, je crois qu'il y a des bocoblins à cheval. Oui. Oh, il y en a un. Oh, il y en a un d'argent. Je vais pas aimer ça, mais vraiment pas. On va se cacher là-bas. Ils vont pas me voir. Ouais, c'est bon. Chasser les loups là-bas. Ouais. Comme ça, je vais prendre la libellule ici. Oui. Je crois qu'il me faut en plus... il me faut 3 libellules piment. Salut MGO2. Oui, il fait très très chaud. Là, j'ai le ventilateur en pleine face. Je sais pas s'il fait du bruit dans le micro, mais bon... Là, à ce stade-là de chaleur, on s'en fout. Voilà, on va arrêter de faire gueuler ce GPS. Merci beaucoup. Non, t'entendras pas vraiment le ventilateur, mais plus le souffle quand il passe sur moi. Mais je pense que c'est bon, parce que je vois le signal du micro et il est plutôt bien. Ça, c'est le stream test pour vérifier que la capture vidéo tient le coup, parce que la semaine dernière, le boîtier faisait des siennes. Là, je suis chaud sur cette partie. Elle est géniale. On voit un peu le fond vert. c'est le stream de la Gitanie. Hein. C'est ce qu'on peut. Allez, ouais, ça doit être à cause d'un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc extrême de force. C'est quoi? Parce que je veux juste... Non, basique, ça va, on revient tout de suite. Normalement, on voit moins le fond vert, normalement. Ou alors je gère très mal l'audiovisuel. Non, ce jeu ne me dit rien. On n'avait pas parlé de ça. On avait parlé de Dust, An Elysian Tale. Forcément. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? On a parlé de Vampire. Et là, cela dit, il y a un jeu qui est sorti, qui était en bêta depuis longtemps. Qui est sorti sur Switch il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Dead Cells. Qui fait le buzz, visiblement. Donc pourquoi pas, je le testerai. Quoi? Voilà. Ok. Oui. Ah,
Ah, Ori! Oui, on a parlé d'Ori, pardon, j'ai pas vu le mot Ori. Oui, Ori, tout à fait, on en a parlé. On tentera peut-être si j'ai le temps. Trop de jeux à faire. Je suis vraiment overbooké. Comme la chaîne s'appelle quand même The Triforce, enfin Triforce TV, je me suis dit, jouons quand même un peu à Zelda, quoi. Le cœur antique géant, ça c'est du bon stuff. Ça on kiffe. On en veut plus. Ça va me permettre d'acheter les équipements archéoniques. Oui, mon cher mage. On va faire la partie challenge ultime. Hein. Le 100%, les caca corogus. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bon, les corogus, c'est mal barré, hein. J'en ai pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit... J'en ai que 12. Ouais, on est très loin du compte. Est-ce qu'il y a un... C'est le nombre total de noix corogus ou c'est celles qui sont actuellement en ma possession que j'ai déjà filées à Noya? Me souviens plus. Parce que si je vais dans étoile là, les noix corogus, il y en a que 10. Donc c'était le nombre total. J'en ai déjà filé 2. Ouais, 12. Peut mieux faire. Peut mieux faire. J'ai pas beaucoup cuisiné tout à l'heure, hein. C'était un peu naze. Hein. Ouais, j'aurais dû faire mieux. Ok, plus bas, il y a la fée. Oui, cher fée, j'ai l'argent en plus. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Merci, Mifa. En fait, c'est pas vraiment moi qui l'utilise, hein. C'est plus les ennemis qui me... Kimbolos. Ah, les carottes. Assez souvent des carottes vigueur dans les fontaines de fées. C'est le jeu qui rame ou c'est la capture? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est un peu la capture. Homme, jeune homme, écoute ma requête, je t'écoute. Je suis la grande fée Mija. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Oh, je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 500 rubis devraient suffire. Devraient suffire. Dès que j'aurai recouvré toutes mes forces, je suis sûr que je pourrais être utile. Salut ange noir du 37. Je vais lui filer ses rubis. Merci, j'en avais besoin. Oh, je sens une puissance débordante. Elle parle trop fort, elle masque ma voix. Bon, là, pas besoin de faire la voix. Elle est chaude, elle. C'est toi qui m'as libéré. Boum. Je t'attendais à un homme fort et musclé. Oh, oh, oh. Mais je suppose qu'un homme délicat fera l'affaire. Bien, grâce à toi, j'ai retrouvé mes pouvoirs. Pour te remercier, je vais renforcer tes vêtements. Toutefois, pour ça, il me faudra les matériaux. Veux-tu essayer? Tel que tu me vois, je peux te rendre relativement résistant. Oui, vas-y. Ah, bah voilà. Ce qu'on voulait, c'était ça. Ça, tout à fait. Des ailes électriques. Je sais plus ce qu'on a en augmentant ça. Mais il n'y a pas de bonus parce que j'ai pas le set complet. Parce que... Le reste. Le reste, c'est. Enfin, le haut. Le haut d'escalade. Il est dans une épreuve extrême de force. C'est pas grave, on évolue quand même. Parce que quand je porterai ces trucs-là, ma défense sera meilleure. Oh!
t'es pas touché les seins, qu'est-ce qui lui prend? Ah, il n'y a plus de quoi évoluer l'escalade. Faisons le masque furtif. Non, attends. Qu'est-ce que je porte actuellement? Je porte ça. Oui. Donc ça, oui. Oh, elle a terminé. Oui, vas-y, il en reste. Ça, notamment. Pas sûr qu'il en reste assez pour le reste. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec le boîtier d'acquisition. C'est qu'il essaye de caler les FPS. Attendez, je fais un test, hein, parce que je vais être sûr de mon coup. Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Elle a terminé. Bon, j'ai essayé un réglage, je sais pas ce que ça a fait. Il y a des problèmes de son. Le son, il est saccadé. Et des fois il ralentit, il accélère, c'est très bizarre, on dirait un... Je crois qu'il y a un truc avec ce boîtier qu'il faudra que je vérifie. Bon bah c'est bien. On a trouvé la fée, donc elle est ici. Elle est pas là. Voilà. Oh ça rame de ouf, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si je fais ça... Oui. C'est du 30 fps. Espace de couleur, on s'en fout. Mise en mémoire tampon. Allez, on réessaye des réglages. C'est le stream du test technique. Ah, il n'y a plus le son. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? On va regarder la vidéo. Voilà. Il y a de nouveau le son. Attends, il y a des monstres? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que je fais mes réglages? Ça va pas se passer comme ça. Ah, il y a des loups! Voilà, de la venaison fine. Oh, ça j'aime bien. Vive les gemmes Nox. Ah, il est pas mort! Avec ma masse perforatrice, il est pas mort! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui d'accord. J'en veux pas. J'en veux pas, de toute façon j'ai pas de place. What? Sors d'où toi? Mais... c'est que c'est... Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bras de ton copain. Oh ah, est-ce que vous pouvez attaquer l'un après l'autre? Vous êtes trop. Vous êtes beaucoup trop. Mais où est la tête? Voilà. Il faut que je prenne une autre arme parce que je vais bousiller ma masse perforatrice. Voilà. La tête, la tête, la tête. Merci. On va y arriver, hein. Parfait, gemme Nox. Utile également. On craft, on craft. Ah, le village de zéro. Pour l'instant, ça sert à rien d'y aller. Je crois que j'ai pas du tout les fagots de bois qui me permettent de... Oui, non, c'était pas du tout le bon bouton. Pas grave. Ok, le cheval, il est là. Ça, c'est quoi cet abanta ici? Oui. Mais j'ai pas grimpé la tour? Bah non. Ah non, j'ai eu juste mon truc anti-foudre. Ok. Ok. Bah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est à Kala. Est-ce qu'on fait chez les Gorons?
Est-ce qu'on visite d'autres endroits? Ah, j'hésite, mon cœur balance. J'hésite bien. Ah, c'est dommage, le village de zéro. Si j'avais eu assez de fagots de bois, je l'aurais déjà emmené là-bas. Ah, puis cette tour aussi. Faut que je le fasse. Allez, on va faire du goron. Voilà. On va faire du goron, sachant qu'il faut que déjà je me prémunisse des flammes. Sinon je vais le regretter. Alors là c'est un random stream, c'est à dire que je joue une petite heure et puis c'était pas du tout prévu. Et demain, par contre, il y a le vrai stream, le vrai fil rouge de l'été, la suite de Dust. Sachant que la dernière fois c'était la gitanie au niveau de l'ordi. Donc ma partie s'est sauvegardée forcément. Et du coup il y a y a une vidéo qui était perdue quoi. Voilà, voilà. La technique c'est plus ce que c'était. C'est où les gorons? C'est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce... Le violet, il faut que j'aille au violet. Il y a un relais normalement pas loin. Allons-y. Ça cavale, mine de rien. Ah! En fait... ok, on va aller au... On va aller au relais. On va faire le sanctuaire à côté. Et après, on va se téléporter à Elimite. Oh, j'en ai marre de ces trucs. On va aller à Elimite pour... pour filer la massue, massue mobline et que je m'en débarrasse pour avoir un slot de libre dans mon inventaire, parce que je me trimballe cette massue depuis longtemps, la batte pardon, et en fait j'en veux pas cette batte, mais clairement non. Qui es-tu toi? Tu es un goron. Oh, il a l'air content. Bonsoir. Moi, c'est Uldon, ambassadeur touristique du village Goron. Le château d'Iru n'est plus qu'une ruine sinistre. Moi, je dis, il faut être maboule pour y aller chercher les trésors. Ouais, on n'y va pas, donc ça tombe bien. Ok. À droite, à Kala. Donc, on s'en fout. Et c'est Bourgette. C'est quoi, déjà? Mais non, c'est toi. C'était quoi déjà? Oh, je cherche un mot de 4 lettres qui... Oh non, c'est... Oh là, Link? Oui, c'est ça, il paraît que c'est le proche d'Igidia. Mais c'est toi, Link. Prépare-toi à mourir. Ah! Ah, vraiment désolé hein, que tu sois mort aussi rapidement. Oh non, mais il y a un bokoblin d'argent. Pas envie de battre ça, moi.
Oh, la viande de volaille fine. Y a pas une deuxième cuisse, source volatile. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, normalement, il y a un sanctuaire bien caché. Celui-là, c'est le violet qu'on avait marqué. Et il y en a un... Ah ouais, mais il faut être bien en bas pour le trouver. On ira après. Oh, mais il y a des mâches partout! Qu'est-ce que ça veut dire? Mais attends, mais on n'est pas à côté du relais? J'ai plus qu'une flèche de feu, oh! Tout ça pour être tranquille et... Ouais, bah pour être tranquille. J'achète ma paix. Oh, on s'est entretué. Allez, un petit sanctuaire pour se faire plaisir. Pour entretenir nos méninges. Ouvrir la voie. Je ne me souviens plus du tout. Oh ! Oh ! Normal. C'est vrai qu'en mode challenge, on se fait violer, puis tuer, pour être ensuite dépecé vivant. Et tout ça par des pièges machiavéliques. Plouf! C'est pas mal, c'est pas mal. Y'a mieux? Ouais. Je commence à avoir des armes vraiment cool, mais ça pollue mon inventaire. Oh, je le sens mal. Oh, je le sens très mal. Oh, c'est moche. Bon, on va descendre par là, hein. Apparemment. On peut pas faire ce qu'on veut dans ce jeu. La liberté n'existe pas. Donc, il va falloir cinétiser de nouveau des boules. Qu'est-ce que ça va donner? Bah mince! J'ai complètement oublié! Qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce que si je cinétise une boule, je peux pas passer! Complètement oublié! Voilà! Et ensuite? Mais comment j'ai pu oublier comment on résout cette énigme? Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissons.
Ah mince alors. C'est tout con hein, mais j'ai pas le... je l'ai pas en tête. Ah ça y est. Je me souviens. Parce que ce que je veux, c'est pouvoir pousser à loisir les autres boules. Mais quel bazar, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces boules? Aïe! Mais comment ça peut me faire mal? Ça roulait même plus! Sérieusement! Oh là là! Merci. On va pouvoir avoir de la vie. Je veux prendre de la vie la prochaine fois, je pense. Même si la vie est loin d'être un problème visiblement dans cette partie. Déjà avec 7 cœurs plus certains jaunes, ça se passe plutôt bien. J'ai marave la tronche du premier boss. Le deuxième, je devrais faire la même chose. C'est plutôt pas mal. Ok, maintenant on se téléporte. Ça commence à bien faire. On va à Illimit. On va filer la batte mobline à ce sale gosse. Tandis que le jeu rame de plus en plus. Je trouverai un jour un moyen, hein, je vous le jure. Je trouverai un truc pour que ça ne rame plus, pour que le son soit fluide, l'image soit fluide. J'aimerais bien. On y croit. Je vais réessayer un truc. J'adore essayer des trucs. Y a pas le son. J'adore essayer des trucs et après plus rien ne marche. Voilà, voilà, voilà. Essayons ça pour voir. Ça rame toujours autant. Remarque, ça dépend, hein. Mais c'est parce qu'il fait chaud. Mon matériel surchauffe. C'est pour ça. Bonjour. T'es où? Ah, c'est toi. Salut! Si jamais tu tombes sur une baguette de... Oh putain, c'est la baguette de feu, mais non! Mais tu voulais la batte mobline! Sale gosse! Ah! Oh. Ok, d'accord. La baguette de feu, elle est où? Je sais qu'il y en a une pas loin de là, je crois, ou plus ici. Moi, je dirais par là. Salut Lismaï 2222. Ouais, on va essayer là. Et je crois qu'il y a des. Il y a des mages de feu qui traînent dans le coin. Bah oui, c'est un sale gosse. J'avais complètement oublié qu'en fait il voulait la baguette de feu à ce moment-là et pas le. La batte mobline. J'avais gardé la batte mobline exprès de côté. Et voilà. Finalement, il veut la baguette de feu. Bah, on va chercher la baguette de feu et puis on va vite se débarrasser de cette quête et on passera à la suite aux choses sérieuses. Enfin. Voilà. Où suis-je? Ok. C'est... Oui, c'est par là. Pas. Oui, c'est par là, c'est tout cramé. C'est sûr. Voilà. Quoi? J'avais plus de... J'avais plus rien. Merde. Non mais t'es où? Attends, mais il a une baguette de... Mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux. Il a une baguette de météore, lui. C'est pas toi que je veux. Au revoir. Ça m'intéresse pas. Et où ton frère?
Voilà, il est là ton frère. Bonjour, toi t'es... Ah oui, t'es un peu balèze, mais c'est pas grave. Oh, mais il y en a partout. Comment je fais? Je vais faire comme ça. Toi, t'as une baguette comment? T'as une baguette de feu standard, toi. Voilà, parfait. Tout ce qu'on voulait. Bon, y'a pas de place, forcément. Obligé de jeter un truc, ça me gonfle. Bah ça, c'est plus faible, hein. Allons-y, hein. Et on se barre. Allons-y. Ah, ce qui est dommage, c'est ces temps de chargement, parce que en fait, on fait plein d'allers-retours, mais pendant le temps de ces allers-retours, les chargements, c'est 60% du temps, quoi. Dommage, quand même. Voilà, donc j'ai les deux armes du sale gosse. Maintenant, on va pouvoir avancer. Allez. Salut! Oh! Hein? Je reconnais ce truc! Ce serait pas une baguette de feu? T'as tenu ta promesse? Monte-moi, monte-moi! Ah mais bien sûr! Et là, il lui crame la tête. Ouah, terrible! C'est autre chose que de voir ça dans un livre! Merci! Oh! Faut pas que j'oublie de te donner mon cadeau de remerciement. Merci beaucoup. Putain, tout ça pour 20 rubis, quoi. C'est mon grand-père qui me l'a donné exprès pour que je l'offre à la personne qui me montrerait de super armes. Alors, la prochaine arme que j'aimerais voir... Laquelle? Voyons voir. Ah, ça y est! Celle-là! Ah, ça c'est bon, ça. Dis-moi, t'as entendu parler de la Batmobile? Ou de la Bat... La Batmobile? Alors, grand-père disait qu'on trouvait pas ce genre d'arme dans le coin. Alors, si toi t'en trouves, faut absolument que tu me la montres. T'inquiète, je l'ai. Mais Miss Bar, reviens ici. Mais... Viens ici. Mais non, pas toi, je m'en fous de toi. Allez, dégage. Au revoir. Voilà, j'ai la Batmobile. Chouette, chouette. Je veux voir, je veux voir. Bien sûr, bien sûr. Waouh, ça me rend fou tellement c'est chouette. Merci. Oh, faut pas que j'oublie de te donner mon cadeau de remerciement. Ça y est, un peu plus de thunes, c'est mieux. Ça me vient de mon grand-père, il m'a dit de l'offrir à la personne que je mange de ce bar. Alors c'est quoi la prochaine? Arc à double encoche, voilà, ça va mettre un peu plus de temps. Je me demande si c'est pas les Yiga, possible. Nous verrons cela. Bon, allez, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de ça. Ouais, il est un peu hardcore le bot. Faut que je pense à le calmer un petit peu, mais j'ai pas pensé à le faire pour l'instant. Donc pour l'instant, faut juste pas crier en quelque sorte dans le chat. Et après, je trouverai un moyen. Faut que je me le marque quelque part. J'ai laissé les trucs par défaut et il est un peu strict. Bon, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Eh ben, on va chez les Goron. Alors, je crois que c'est là. Non, ça, c'est Akala. C'est là. C'est là qu'on veut aller. Mais c'est marrant, ça t'a supprimé tous tes messages. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, ça aurait pas dû faire ça. Faudra que je modifie ça. Ce qui est marrant, c'est que normalement, ça aurait dû supprimer que le message... Ah, c'est le inacceptable qui a été censuré. C'est n'importe quoi. C'est que un seul mot. Et ça a supprimé tout le reste. C'est n'importe quoi. Oh, le bot overkill, quoi.
Ok, on n'a pas été là. Il y a des quêtes à choper. De toute façon, dans 10 minutes, j'arrête parce que c'était un petit stream de test. Parce que mon boîtier est vraiment dans les choux. Et après, je m'occupe de Moubot. Qui est un petit peu vénère. Bonjour. C'est la première fois que je te vois, toi, ou quoi? Je sais plus. Non, c'est bon, je le revois. Plus tard. Ouais, je pense que il a compris que tu tapais sur le gosse, c'est pour ça. Remarque, moi aussi, il aurait dû me censurer, finalement. Bon, y a-t-il des quêtes? Oui, il y en a. Oui, lui, il me parle du sanctuaire, oui, c'est vrai. Ah. Oh, toi aussi, tu es venu voir ce tableau. Personnellement, je pourrais le regarder pendant des heures. D'après ce qu'on m'a dit, c'est Anso, le gérant du relais, qui aurait peint ça pendant son temps libre. Tu vois, le majestueux volcan se dessiner subtilement en arrière-plan du relais. Il s'agit sans doute d'une vue du relais depuis le sud. Quoi qu'il en soit, c'est une composition vraiment unique. Oui. Bah, toute l'Ismaï. La prochaine fois, le bot sera moins pénible, ça c'est sûr. Merci à plus. Et donc. Je sais que le sanctuaire est là-bas. On va le faire et puis ça va être la fin. Parce que ça ramouille du cul. Je stream souvent. Oui. Une fois par semaine au moins. Et de manière assez random le soir et le week-end. Donc faut guetter les notifs. J'ai pas de planning bien précis. Mais c'est souvent le soir à 19h ou à 21h. Normalement, on voit un sanctuaire ici. Bah, il faut continuer de toute façon. Oui, il faut continuer. Mais attends, mais on le voit depuis ici normalement, le sanctuaire. Oh, c'est bizarre. Je me demande s'il fallait que je grimpe ici ou pas. Oh, je sais plus, la mémoire me fait défaut. Je sais qu'il y a une petite grotte. C'est fou, il me semblait que depuis le... Ah, de toute façon, on va utiliser le... Le radar. Oh, merci, Lismaï, du coup, pour ton follow, Bridle. Oh, bon, on n'est pas loin, là. Je le sens. On est vraiment pas loin. Normalement, il y a un petit trou. Bah, je pense qu'on y est. Mais non, mais c'est pas possible. Ou alors... Ah oui. Non, non, vous m'avez pas vu. Pas du tout. C'était une illusion d'optique. Ah, voilà, c'est par là. Je le savais. J'avais oublié que c'était pas le... Voilà. C'est vrai qu'il est hyper bien caché parce qu'il est vraiment pas visible d'un autre point que ce point-là. C'est sûr et certain. Ah oui, champi-piment. Ça fait plaisir. Ça servira pour le... Pour les montagnes enneigées, quand on ira à Ebra, avant qu'on récupère la fameuse tenue dufteuse des Piaf. Tamur. Voilà, ça va être le dernier sanctuaire et après, on se dit bye jusqu'à très bientôt. Voilà, comme ça, une quête en moins. Oh, je m'en souvenais plus de ça. Ta mur, on va brûler les murs. Répandre le feu. Ah, ça rame bien comme il faut. C'est vraiment le boîtier, hein. Je pense que le boîtier, il galère de ouf.
à se refroidir. Je vais essayer de le mettre là. Pour un truc un peu froid. En métal. Ça va peut-être le calmer. Bah oui, c'est tout de suite plus fluide. Je crois que j'ai pas de torche. Et j'ai pas gardé ma truc de feu. Ah là là. Ah là là. Bah, il y a toujours les flèches. Toujours les flèches. Bonsoir, Phoenix. Alors, tu tombes presque très mal parce que on a bientôt fini. On a bientôt fini. C'était le stream de test. Savoir si le boîtier d'acquisition allait mieux tenir que la dernière fois. Ça a l'air d'être pas mal. Ça ramouille de temps en temps, mais c'est pas mal. Moins galère que la dernière fois en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est bon. Je sais pas que c'était le bon endroit. Ok. Oui. C'est vrai que répandre le feu, c'était pas une... Que, hein? Ah oui. Ah ouais, je la fais casser, quasiment passer au-dessus, le paradis, quoi. Oh oui, rubis brut, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Ah, sanctuaire très satisfaisant. Merveilleux. Eh ben c'est parfait. Un stream rondement mené, avec 2-3 couacs, mais plutôt pas mal. Et un follow de plus, merci à AliceMy2222 de nous avoir rejoint sur notre communauté grandissante d'énormément de followers. Merci à lui. On se donne rendez-vous la prochaine fois sur YouTube et sur Twitch pour la suite des aventures Triforce TV Live. La bise.